Là, je dis de la merde. Là, je dis de la merde. Là, je représente pas bien mon QI 237. Yo, YouTube. Amine Farsi, le risque Suzuki. Donc, on va regarder ça. Like, share, subscribe si t'en as envie. Si t'as pas envie, je peux comprendre. Parce que le risque. Ah, tu comprends, c'est l'équipe à MIG. Tu comprends, 47, la cassette, tout ça. J'ai pas trop fil. Même quand il était dans le. Je pense qu'il était dans les 11 rappeurs à suivre. Je pense qu'ils l'ont mis dans les 11 rappeurs juste parce qu'MIG était locked up. MIG est en dedans. Si MIG était free, je pense qu'il l'aurait mis à sa place. Personnellement, je pense. J'ai ça, je dirais. Après ça, c'est. On est 5 dans la voiture, ça pue la verdure. On est sous calife, Amine Farsi, on veut ce qu'il a police. Assis périsse, voie automatique, arrière qui pâtit. Je suis dans les arrondissements avec pasta. On change de direction, on n'est pas stable. On change de direction, on n'est pas stable. À croire qu'on est toujours pisté. Je roule un camas et j'ai les yeux pissés. Y'a la BST qui vient de passer. Tous les bassons, on veut tout ce que j'ai caché. Si tu veux me clasher, moi je vais pas te clasher. C'est pas mal celle-là. J'ai des bastos à cracher, c'est sûr que je vais pas te rater. C'est sûr que je vais pas te rater. J'ai que des bastos à t'en caler. Je peux venir t'allumer en Suzuki. Quand t'es tout en noir, tu sais pas c'est qui, il sait pas c'est quoi. Je peux venir t'allumer en Suzuki, je peux venir t'allumer en Suzuki. Quand t'es tout en noir, casquette Suzuki, tu sais pas c'est qui, il sait pas c'est quoi. Je peux venir t'allumer en Suzuki. Il est 1h du matin, je suis dans un véhicule. Derrière nous, y'a les bleus et la bague, je suis noyé dans l'impasse comme des A. Pendant le contrôle, faut surtout pas douter. On dit que tout ça, ça vient de la VDA. On sait c'est qui l'avait. T'inquiète, yo, les traductions, c'est la Drill Starter Kit. Ils sont obligés de te les faire, ça. On sait c'est qui l'avait. Après ça, les gens disent que j'ai de la merde parce que, dans le fond, les gars du ST, c'est pour leur faire comprendre. Bah oui. Il est vrai, la VO. Tu mets mes gants, la tête sont pénétrants du haut. Je prends la chambre du bas, il prend la chambre du haut. On fait des dégâts, on défait la déco. Toujours déter quand il y a un boulot. Toujours déter quand ça parle de bédo. Koulouna dehors veut ça part du gâteau. Quand ça parle de gâteau. On a compris la strip, nanan. Je peux venir t'allumer en Suzuki. Quand t'es tout en noir, tu sais pas c'est qui. Tu sais pas c'est qui, il sait pas c'est quoi. Je peux venir t'allumer en Suzuki. Je peux venir t'allumer en Suzuki. Tout en noir, casquette. Tu sais pas c'est qui, il sait pas c'est quoi. Je peux venir t'allumer en Suzuki. Je peux venir t'allumer en Suzuki. Quand t'es tout en noir, tu sais pas c'est qui. Tu sais pas c'est qui, il sait pas c'est quoi. Je peux venir t'allumer en Suzuki. Je peux venir t'allumer en Suzuki. Quand t'es tout en noir, casquette Suzuki. Tu sais pas c'est qui, il sait pas c'est quoi. Je peux venir t'allumer en Suzuki. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le risque. Je peux venir t'allumer en Suzuki. Il a même pas le permis. Ben, c'est, même s'il n'a pas le permis, s'il dit vient de t'allumer, c'est obligé que c'est lui le côté passager. Allegedly. Oh, Black Pauvre Gang. Frérot, bienvenue dans la fraternité, on est ensemble, bien sûr. Black Wolfang est maintenant un KHO. Donc, pour le vrai, permis ou pas, il peut quand même t'allumer. T'allumer en bus, t'imagines les délais, bro? Ça, ce serait original. Je peux venir t'allumer en bus, métro, bus, tram. Ben oui. Je peux venir t'allumer en métro, bus, tram. Ça, ce serait original. Ça, ce serait pas vu. Suzuki, Yamaha, toutes vos marques de moto, là, on les a vues. Tu comprends ce que je veux dire? Faudrait qu'il y ait un driller qui vienne avec un truc original, genre, je viens t'allumer en bus. Ça, c'est original, sa mère. En roller. En vélo, bro. En Uber. T'imagines en vélo, bro. Après, il y a des gens qui peuvent t'allumer en vélo. J'ai déjà vu ça dans un film. Drive-by en vélo, ça se fait bien. C'est rapide, c'est efficace. C'est limite venir t'allumer en scooter. Vélo électrique, ça compte ou pas? En pocket. En hoverboard. Oh! En hoverboard, ça, ce serait trop frais, bro. Yo, ça, c'est trop fou, ça. Eh, si les hoverboards, un jour, deviennent vraiment comme un moyen de transport efficace, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont utiliser ça dans leurs lyrics. Je vais t'allumer en hoverboard, même pas besoin de courir. En monocycle. Oh, man. Ça, faut avoir un équilibre, en vrai. Mais en hoverboard, ça serait frais, par contre. S'il y a des drive-by, tu vois, les gars, ils sont comme ça, là. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh shit, faut que j'arrête la vidéo là.